Salut, c'est Alexandre pour la vidéo de spéciale pour mes 100 abonnés. Là, j'en ai 101. Voilà, donc je vous montrerai aussi les vues de mes vidéos. Ma chaîne a été vue 2300. Attends, je vois pas bien sur l'appareil. 2368 fois. Et mes vidéos totales ont été vues 27 737 fois. Voilà, donc. Alors, j'ai affiché le détail de mes abonnés. Je vais pas tous les dire parce que ce sera trop long. Et voilà, je vous laisse regarder s'il y en a que vous connaissez. Et voilà. Ah oui, d'ailleurs, enfin, je vous dirai après parce que je change de page. Voilà, comme ça. Je crois que. Et la dernière page n'est pas encore complète. Voilà. Alors, on retourne à ma chaîne. Donc là, on est le 28 au moment où je fais la vidéo. Et mon inscription, c'était le 29. Donc je ferai les 1 an de ma chaîne demain. Et je mettrai... tous mes abonnés cette fois-ci. Voilà, à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va aller voir, comme je vous ai dit, mes vues. Dans les... Voilà, donc. Alors, le premier c'est... C'est les trois premières, c'est les trois plus nuls, donc je sais pas. Voilà, 5994 vues, 5631 vues et 4390 vues. Mais j'ai pas les supprimer parce que ça va m'enlever beaucoup de vues. Après il y a les autres. Voilà. Alors on va aller dans ma chambre pour mes mocs pour mes... que j'ai fait spécialement pour mes 100 abonnés. On apprend. Donc... Alors, attendez, va peut-être falloir que je... Voilà. Attends, je mets juste deux trucs en place. Donc, c'est tout simplement la version 2 du mock pour le concours de Baba Production 1. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le regarder. Et donc, c'est l'avancée des troupes séparatistes. Il y a juste un seul nouveau truc que les séparatistes ont amené. Corporate Alliance Stamp. En fait, je voulais mettre le Battle for Geonosis, mais comme vous pouvez le voir, pas de place. Ce qui prend quand même pas mal de place. Le canon à proton. Là. Tu vois, je le mettais là après, mais j'ai plus rien, plus de place. Voilà. Donc j'ai commencé donc le Corporate Alliance Tank qui tire un missile sur le mur de la base. Ici une tourelle explosée à cause de ce canon. Donc là il y a un Mandalorian, un droïde de sécurité, ici trois clones morts, plein de droïdes morts, une custom là qui va sauter par-dessus l'eau. Ici un Mandalorian qui coupe la voie à un Bark Speeder avec un nerf dessus. Ici Obi-Wan, un clone blanc et mon Jedi. Il y en a qu'on a à faire. Je vais zoomer un petit peu. Les trois ils protègent Anaconda Phare du droïde de Kak qui se fait attaquer par Asuka qui saute. Un Bark Speeder qui est rentré dans ce petit truc dès qu'il est sorti de la base, donc ils sont morts.
L'Arf, il a réussi à s'en sortir et il va chercher cette arme là qui est par terre. Lui, il a pas trop réussi à s'en sortir. Après, Rex a été blessé, parce que dans la version, c'était Rex qui commandait les mineurs. Malheureusement, il a été blessé. Dans la cuve de Bacta, le pauvre. Donc c'est ce commandant vert qui s'occupe de l'escouade des mineurs. Et donc à la fin de l'escouade, il y a un clone du commandant vert qui ferme la marche. C'est deux super droïdes, un mandarin mort, un assassin mort. Quoi il dit qui se bat encore, le combat ne cesse pas contre Dark Vador sur Mustafar. Ici, Anakin qui se défend des deux super droïdes, Mace Windu qui rentre à la base, ici R2, ici le droïde qui s'était fait découper la tête par le V-Wing qui a réussi à partir, Galactic Marine mort, Luminara qui sort de la base, trois roquettes droïdes qui vont attaquer le canon qui est sur le toit, mais là il peut pas se défendre parce qu'il a des gros canons et tout, mais si près, bah, il peut pas. Par exemple, s'ils avaient été là, ben là il aurait pu les liquider. Là il serait fait ingénieusement comme ça, donc il peut pas, il n'y a pas d'armes. Je pense qu'il va mourir. Mais heureusement, enfin peut-être que le gunner va quand même mourir, mais heureusement pour le canon. Il y a un Jedi qui arrive et qui va un petit peu détruire ses roquettes Battle Royale. Ici dans la plateforme là, on peut voir le champ de bataille. Alors, on voit très bien. Je vais zoomer. Et ici un officier, toujours là. Ici un snipe pour se défendre, donc le Jedi qui va sauver le gunner. Ici 2-1-B qui s'occupe de Rex. R2-Q2 qui envoie un hologramme à un vaisseau allié pour demander de l'aide. C3PO qui ne sait pas ce qui se passe. C'est tombé. C3PO version 2010. Ouais, il y a eu aucun set en 2011 où il sortait. Version 2010. Il vient d'avoir une nouvelle en 2012. D'Android Escape. Que je vais peut-être m'acheter, mais c'est vraiment pas sûr parce que si je me l'achète, ce sera juste pour la capsule de sauvetage, quoi. Le reste, j'ai tous déjà parlé les Sandtroopers qui ne me serviront à rien. Puisque je fais la République. Et oui, je sais, il y a une pique qui est en train de charger ici. Voilà, ici toujours le gars qui ouvre et qui ferme les portes. En fait, lui, il est chargé sur ça parce que tout simplement, j'ai perdu son casque. Donc si chez vous, vous avez un casque de clone en trop, bah, s'il vous plaît, donnez-le moi. N'oubliez pas aussi que si vous êtes intéressé pour échanger un petit battle pack, toutes les conditions sont sur ma vidéo. Une petite base Lego, je vous mets aussi le lien dans la description. Qui est en fait cette base, mais en temps de paix. Voilà, il y avait aussi... Attends, je vais mettre beaucoup de liens dans la description. Greg Fool. Alors, G majuscule R 2 E 2 G F U L. Parce que si on tape différemment, je crois que c'est G minuscule R 2 E G F U L. Ben on tombe sur quelqu'un qui ne fait des vidéos pas de Lego. Pas ni Star Wars, hein. Voilà, donc Greg Fou qui fait des vidéos de Lego Star Wars, c'est... De toute façon, je vous mets le lien en dessous. G majuscule R 2 E 2 G F U L, il m'a demandé de lui faire un petit peu de pub. C'est ce que je fais, il fait des vidéos pas mal. Hein. Je vous montre aussi ce qu'il y aura dans ma prochaine base. Alors, il y aura des lits. Là, on voit pas bien. Je vais essayer de mettre une lampe. Non, non. Je vais porter ça sur mon bureau. Alors. Voilà. Donc, deux lits comme ça. Je préfère que deux parce que j'ai que deux trucs comme ça. En fait, j'essaierai de faire une petite chambre un petit peu comme ça. Je pense que je mettrai une télé en face.
Genre voilà, la chambre des clones avec ici au milieu un réveil. Midi 1 ou minuit 1, je sais pas. Sinon on peut aussi faire 10h21. Mais... je mettrai aussi cette antenne que j'essaierai d'améliorer un petit peu. Parce qu'elle est pas super là. Mais comme ça là. Cette petite tour de guet que je mettrai tout en haut. Je trouve plutôt pas mal. Ici des sièges. Là il y en a 10 je crois. J'ai vraiment pas beaucoup de sièges. Ici un tuyau que je mettrai à l'extérieur de la base. Pas très original mais bon. Dans un mur il y aura deux bombes comme ça. Je vais pas en faire plus parce que j'ai que deux trucs comme ça. Et des bombes comme ça aussi. Des missiles. Bon, je leur mettrai tous le même embout. Là vous voyez. Ils n'ont pas du tout tous le même embout. Ça sera un mécanisme pour faire une porte. Dans ça sera pour l'ouvrir ce mécanisme. Et en fait ce sera pour verrouiller parce que c'est une porte qui s'ouvrira en fait comme ça. Et donc en mettant ça dans le mur, quand on met comme ça du coup ça bloque la porte. Et quand on met comme ça, ben, elle peut s'ouvrir. Voilà. Ah oui ça. C'est parce que j'ai transformé mon empereur Palpatine Shadow. Donc je vais vous présenter. Parce qu'en fait, ce qui était bien, c'est que c'était, ça correspondait au film de Star Wars, mais dedans, ça ne doit pas être exactement comme ça, puisque Palpatine ne s'amuse pas à transformer des gars en Dark Vador tous les jours. Bon, du coup, je l'ai modifié. Voilà. Bon, l'hologramme tout en rouge. Je vais changer, je mettrai une table noire. Je mettrai des trucs en gris sur le côté. Ça, je sais, ne me dites pas que c'est nul, ça. Je sais que c'est nul. Juste, là, il y avait deux sièges. J'ai enlevé, j'ai mis des ordi comme ça. Ouais, c'est un officier de chaque côté sur un ordi. Ce truc, on peut mettre des armes. Là-bas, c'est pour mettre des sabres laser, mais bon, on va pas aller embêter les officiers avec les sabres laser. Donc ici l'hologramme et ici le siège de l'empereur, voilà. Sinon l'extérieur j'ai rien modifié. Toujours l'hyperdrive comme ça. Merde. Je vais vous dire, continuez à vous abonner, mettez des commentaires. Enfin, en fait, mettez des j'aime, plein de trucs et tout. Et pour vous dire, ma prochaine vidéo, donc, comme j'ai dit, je la ferai demain pour les 1 an de ma chaîne. Et puis, je vous dis, à dans, je sais pas, une semaine et demie. Pour ma nouvelle base quoi. Voilà. Et